Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, cher maire, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, cher fils. Je vais très bien. Bon week-end à tous. À vous pareillement et tout le bonheur. Merci, merci, Je ami. vous en prie. Donc, vous Oui. avez la parole. Oui, aujourd'hui, mon texte s'intitule Les vautours. Oiseau charognard, le vautour se nourrit principalement de la chair d'animaux morts. En général, il ne chasse pas. Non. Il laisse certaines aux autres. Pour lui, ce qui compte, c'est de se remplir la panse de cadavres en putréfaction. Cet être de par sa nature nous fait penser à une autre sorte d'Africain qui obscurcit le ciel politique des pays africains dont il se croit le vrai propriétaire. Il s'appelle Nathalie Nyambe, Franklin Nyamsi, Stello Gilles Robert Kapochichi, alias Okemi Seba, pour ne citer que ceux-là. Nathalie est suisso-camerounaise. Franklin Nyamsi est franco-ivoiro-camerounais. Kemi Seba, lui, est français ancien béninois. Comme on peut le constater, ces nouvelles espèces sont très actives dans les affaires parallèles d'une Afrique qu'ils semblent mal connaître. D'ailleurs, comment rester citoyen d'un pays que vous combattez, en l'occurrence la France, y demeurer et vouloir nuire à ses intérêts ailleurs? Voilà l'hypocrisie de ces personnes dont le pseudo-combat est d'arracher l'Afrique des mains de pays néocolonialistes, comme ils le disent. Pourquoi ces citoyens détenteurs de plusieurs passeports ne viendraient pas vivre sur la terre africaine et renoncer aux avantages sociaux des pays dits développés? Jetons un œil sur la vie de chacun de ces pseudo-Africains, selon le peu que l'on sait d'eux. Nathalie Nyambe, mulâtresse, elle a un goût de luxe. Son fils serait-il vraiment celui de feu Jerry Rawlings? Habiterait-elle avec Mamadou Koulibaly, dont elle aurait partagé la vie? Voyagerait-elle vraiment partout dans le monde avec une multitude de passeports? Franklin Yamsi, quant à lui, se révérait-il le conseiller du entre griffes si un jour il est président, Soro Guillaume? En tout cas, pour l'instant, il est affecté de gré ou de force aux affaires obscures africaines. Kapo Chichi, se verrait-il bien le remplaçant de feu Muammar Kadhafi pour pouvoir mieux que celui-ci présider à la destinée de l'Afrique? Ces trois personnes, quoi qu'elles veuillent nous faire croire, sont dans le faux. À l'image du vautour, de la hyène, ces panafricains d'un autre genre semblent préoccupés que par une chose, l'appât du gain, osons le dire. Puisqu'ils sont nés bien après la colonisation de l'Afrique, ils comptent bien exiger leur part du gâteau. Ils comptent recevoir leur part du prix d'achat de l'Afrique, quitte à la rebrader à un autre pays colonisateur de leur choix, en l'occurrence la Russie. Ils sont à la recherche d'une vie de luxe sans rien faire en retour, tels des vautours. Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, chère mère, pour ce beau et brillant texte. Effectivement, la caractéristique des vautours, c'est toujours de s'attaquer à des proies déjà mortes et Oui. surtout de manger la pourriture. Parce que Oui. tout être qui Oui. se respecte mange de la chair pure, mais n'attend pas de profiter des occasions. Et regardez le gros hippopotame qui est mort au Mali. Combien de fois les vautours y rôdent autour. Et sachez que chaque fois que ces personnes, comme vous l'avez si bien dit, chaque fois que un ou des vautours s'approchent de quelque chose, c'est que cette chose-là est déjà morte. Et aujourd'hui, de façon simple, le Mali est déjà un pays mort. C'est pourquoi les vautours vont pour chercher leur pièce là-dedans. Et malheureusement, nous allons toujours continuer à interpeller ces Maliens qui encore ont quelque peu de lucidité, de reprendre leur destin en main et de mettre fin à cette dictature, mais surtout à ce désordre institutionnel qui va conduire le Mali dans les lendemains très incertains.
Merci infiniment pour ce beau texte, chère mère. C'est un énorme plaisir. Merci beaucoup. Mon fils, je voudrais en profiter pour lancer un appel. Mm-hmm. Je profite pour dire que demain se tiendra la réunion du mois de juillet à l'adresse habituelle et au lieu habituel. À l'heure habituelle, pardon. Ok. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Et tous ceux, oui, voilà, et donc, tous ceux qui veulent participer peuvent prendre contact avec vous ou même les élèves, oui, de la classe, qu'on est Adama, Yann, Meite Tefet, tous les autres élèves de la classe. Effectivement. Voilà, tous les autres élèves de la classe. Et effectivement. Et voilà. Et on vous souhaite vraiment beaucoup de chance demain. Et oui, merci. Puisse, par la grâce de Dieu, tout se passer dans les conditions les meilleures. Oui. Merci beaucoup pour vos efforts. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, merci. Merci beaucoup.